Départ du pasteur Patrice Zippo dans la gloire éternelle le dimanche 2 août, des suites de maladie. Notre rédaction vous propose dans cette édition le portrait de ce héros de Dieu. La période de confinement a été l'occasion pour l'église de Côte d'Ivoire de connaître des avancées notables dans l'implantation des églises de maison. L'église de la Riviera a son actif 4 nouvelles assemblées implantées. Retraite de prière en vue de la consécration de leurs activités au Seigneur et festival d'action de grâce et de louange au Seigneur, tels sont les points marquants de la reprise des activités ordinaires des sémeurs d'Abidjan. La nouvelle est tombée ce dimanche matin, pendant que tout le monde se préparait à aller au culte d'adoration. Le pasteur Zippo Ayebi Patrice n'est plus de ce monde. Il a devancé les siens vers le Père Céleste. À cet effet, le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, ayant appris avec douleur le décès brusque et soudain du frère Zippo Patrice, a rapidement adressé dans une lettre ses sincères condoléances à la famille, précisément à la veuve, aux enfants et à toute la grande famille de la CMCI en Côte d'Ivoire, avec à sa tête le pasteur Boniface Meyer. Pour le leader mondial, cette mort est une glorification auprès de Dieu le Père. Certes, consterné et affligé dans son âme, il rend cependant gloire à Dieu pour sa souveraineté et sa sagesse. Car le frère Zippo n'est pas mort, il est allé dans le réconfort du Père Céleste. Né le 4 mai 1958 à Kétesso à Boisso, dans la région du Sud Comoé, il grandit dans une famille chrétienne. Le 29 septembre 1994, il se marie avec Rose Afua Tigori, sa tendre épouse. En 1997, il rencontre personnellement le Seigneur Jésus-Christ à la CMCI, 2 ans après l'arrivée du groupe missionnaire Meyer en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été promu en 1997. Quand je l'avais vu, le Seigneur m'avait dit que Zippo abandonne tout, il s'occupe des projets de l'œuvre. On avait rien même. Même si on donnait à manger à quelqu'un, on l'avait fait. Donc je me demandais qu'il va manger. Mais je lui ai dit quand même, Dieu dit de laisser tout, tu t'occupes de nos projets. Un homme intègre et aimant Dieu, proche collaborateur du pasteur Meyer, il a été ordonné ancien de l'église d'Abidjan en mars 2000 par l'imposition des mains du frère Zacharias Tanifomom, président fondateur de la CMCI. Il est donc un ancien de la fondation. Responsable chargé de la conquête de toute la zone spirituelle de la Riviera à Abidjan, Patrice Ayebi Zippo est établi sur un troupeau de près de 2000 membres. C'est un pasteur, mais aussi et surtout un évangéliste, comme lui-même l'a témoigné. Bon, d'abord, je suis un évangéliste. Je m'exerce à travailler pour acquérir le don pastoral. Et j'ai le don d'enseignant. Et je me dis que, avec la grâce de Dieu, j'ai aussi le don de prophétie. J'ai aussi le don de révélation. Donc, grosso modo, voici les dons que j'ai. Et le don de guérison, enfin tous les dons liés à des ministères particuliers. Mais mon don principal, c'est que je suis un évangéliste. Patrice Ayebi Zippo n'a pas été seulement pasteur, il était aussi comptable de profession et chef d'entreprise. Il a exercé dans plusieurs multinationales. En 2014, il met en place une société de distribution, d'externalisation et de prestation de services, SODEPS, dont il est lui-même le directeur. C'était un homme qui travaillait avec courage et abnégation et il associait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Sa disparition reste une grosse perte pour son entreprise. On s'attendait à tout sauf à son départ. Parce que ça allait bien. Même quand il était malade, on voyait qu'il ne se décourageait pas. Il avait toujours la Bible devant lui. Il était malade, mais ce n'était pas quelqu'un qui agonisait. Il savait que Dieu allait faire. On ne peut pas s'imaginer qu'un journaliste nous annonce la mort de notre patron actuellement. Pour parler de M. Zippo, au niveau de la société, il faut dire que c'est quelqu'un qui était très, très travailleur. Très, très travailleur. Et il nous motivait toujours à être à l'heure, au service, à faire le maximum pour mettre suite au niveau de l'externalisation. Au niveau pastoral, il faut dire que c'est quelqu'un qui nous enseignait la marche avec Jésus-Christ.
Pasteur engagé dans l'œuvre de Dieu depuis 1997, il est demeuré fidèle au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de ses jours. Dans les jours qui précédaient sa mort, le pasteur Patrice Ayebi Zipo, dans cette période de caravane d'implantation d'assemblée dans tout le district d'Abidjan, a procédé à deux implantations d'assemblée dans sa zone de conquête. Il y a deux dirigeants qui sont établis ici. Alléluia. Amen. La sœur Françoise Nguessan et le frère Assamoua Émile Martial. Nous te donnons les capacités pour conquérir Abata et bâtir le peuple de Dieu. Nous te bénissons avec les talents qu'il faut. Nous te bénissons avec les dons qu'il faut. Nous te bénissons avec l'autorité qu'il faut. Nous te disons que Dieu élargit ton cœur. Comme l'apôtre Paul, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. C'est un pasteur qui a aimé et servi Dieu avec fidélité. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il s'en est allé vers le Père Céleste, laissant derrière lui une veuve et deux enfants. Adieu, pasteur Zipo. Des implantations en cascade dans l'église d'Abidjan. Pendant le confinement, chaque famille adorait Dieu sur place, c'est-à-dire là où elle habite. Ainsi, cette méthode a favorisé la croissance en nombre des églises de maison. Ce dimanche, dans la zone de la Riviera, le pasteur Patrice Ayebi Zipo, ancien de l'église d'Abidjan et responsable chargé de la conquête dans toute la zone spirituelle de la Riviera, a procédé à l'implantation de deux assemblées. Il s'agit de l'assemblée chez la sœur Françoise Nguessan à la cité d'Omelo d'Abata et l'assemblée chez le Koupia à Abata Village. Dans son exhortation, le pasteur Zipo a mis l'accent sur la relation prééminente du dirigeant avec son Dieu, car pour lui, la relation avec Dieu passe avant toute chose. Après quoi, les dirigeants chargés de gérer les affaires spirituelles dans cette localité ont été désignés et ordonnés. Émile Martial Assamoua étant le dirigeant principal de toute cette contrée, considérant la lourde responsabilité qui l'incombe, s'est vu honoré du choix qui s'est porté sur sa personne. C'est un privilège de savoir que les hommes peuvent compter sur toi. Gloire à Dieu. Nous avons rencontré plusieurs couples à Abata qui vivent en concubinage. Au fait, c'est le foyer même des concubinages à Abata. Et ils vont tous à l'église. Nous nous sommes rendus compte qu'ils vont à l'église. Ils aiment le Seigneur, mais ils ne savent pas comment, du moins, ils ne sont pas conduits dans les voies du Seigneur. Et le fait de savoir que l'œuvre est en train de progresser jusqu'à eux, ça veut dire que Dieu a pris pitié d'eux et Dieu veut les sauver. Je crois que comptant sur lui, nous allons accomplir de grandes choses parce qu'il est avec nous et l'œuvre va avancer, va évoluer. La conquête deviendra, du moins la moisson sera encore plus grande. La sœur Françoise Nguessan, chez qui l'assemblée est abritée, rend grâce au Seigneur pour l'arche de Dieu qui est entrée dans sa maison. Pour être honnête, l'implantation aujourd'hui, ça me surprend un peu. Et je vois juste la main de Dieu. Et je suis contente. Je voudrais dire merci aux frères qui font confiance aux gens de cette maison. Parce que l'assemblée du Seigneur n'est pas implantée partout. À Abata Village, chez le Koupia, un couple nouvellement converti en mars 2020 a vite saisi la vision. Ils décident alors de donner leur maison pour l'implantation d'une assemblée. Madame Yalidi l'exprime. Un mois que nous avons cru que mon époux et moi, nous avons donné notre vie à Jésus. Et on a trouvé qu'il était bon que notre maison serve à l'évangile. Et que les frères d'Abata puissent connaître le Seigneur. Et que l'évangile puisse aller loin. Que les frères d'Abata puissent être gagnés. Bon, c'est un plaisir, une joie vraiment pour que les frères d'Abata puissent venir prier dans notre maison ensemble. Le dimanche suivant, cap dans la sous-zone de la Riviera Palmeraie, dirigée par le pasteur Charles Biaï. Même ambiance, la sœur Afi Gisèle témoigne les conditions dans lesquelles cette assemblée est venue à l'existence. J'ai approché le pasteur Biaï et je lui ai dit que je veux qu'on implante. Parce que c'est ce pourquoi Dieu m'a donné cette maison. Ça a été le premier sujet que je lui ai élevé pour avoir cette maison. Donc il fallait qu'on implante. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je suis allée voir le propriétaire, je lui en ai parlé. Il a donné son accord, même les voisins. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui,
nous soyons tous là pour cette implantation. Je veux lui être infiniment reconnaissante pour ma prière qu'il a exaucée. Étant le numéro 1 des dirigeants de l'Assemblée qui est dans sa maison, Gisèle Affi a présidé la fraction de paix, le premier ministère que doit rendre tout dirigeant nouvellement établi. Après Chele Affi, c'est à la famille Taxom d'ouvrir la porte de leur maison. Suite à des proclamations, l'Assemblée fut implantée victorieusement. Dimanche 26 juillet 2020, exactement à 12h06, proclamant que l'Assemblée Chele Taxom est implantée au nom de Jésus. Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. À tour de rôle, les membres de cette assemblée et leurs dirigeants ont été appelés. Pendant l'imposition des mains, chaque dirigeant a reçu sa feuille de route. Heureux de servir Dieu avec leur bien, la famille Taxom privilégie l'intérêt de Dieu pour cette assemblée. Aujourd'hui, c'est une très grande joie pour nous de donner notre maison pour accueillir l'assemblée de Dieu, l'assemblée des frères de la prophétie qui a été donnée, de faire de l'évangélisation notre arme principale dans l'Assemblée. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire, et faire en sorte que des multitudes partant de la cité du bonheur puissent être gagnées et rajoutées dans la maison du Seigneur. Pour les dirigeants, c'est une stratégie idéale pour la croissance en nombre. Le fait que nous avons saisi l'opportunité de la crise sanitaire pour faire les adorations dans les familles a été un grand point important pour ces implantations-là. Et donc les familles qui ont accueilli les frères pour adorer ne souhaiteraient pas que ces adorations finissent. Et donc du coup, ça nous a donné l'occasion de pouvoir faire beaucoup d'implantations. Et ce n'est pas seulement la Riviera, toute la ville d'Abidjan est dans ce processus-là. C'est une victoire de l'Éternel parce que ici à la Palmeraie, ce n'est pas facile. L'œuvre parmi les boss, comme on le dit communément. Mais Dieu lui-même nous donne des personnes qu'il a mis à part. Et nous voyons juste sa main conduire l'œuvre. Nous sommes heureux, nous sommes bénis parce que nous avons des gens qui habitent leur propre maison et qui donnent leur maison pour le Seigneur. Avec toutes ces assemblées implantées, c'est la preuve que l'Église en Côte d'Ivoire est en marche. À la faveur de la révision des mesures anti-Covid-19 du gouvernement ivoirien permettant les rassemblements au niveau du Grand Abidjan, les semeurs de la dite zone peuvent savourer la joie des retrouvailles et le bonheur de reprendre le fonctionnement ordinaire. Ils se sont à cet effet retrouvés ce vendredi 31 juillet pour une retraite de prière au cours de laquelle ils ont consacré la reprise de leur activité ordinaire au Seigneur. À cette occasion, des équipes ont été formées pour prier pour les individus et pour la bonne santé spirituelle des semeurs. Le Seigneur nous a mis à cœur de commencer par la prière. Donc depuis le lundi, nous avons une séance de prière le lundi, le mardi et puis aujourd'hui le vendredi. Comme c'était une journée fériée, on a pu avoir nous sommes là depuis 10h et on a fini tout à l'heure à 16h, 16h30. Et on se retrouve également le dimanche de 15h à 19h, toujours pour prier, pour offrir à Dieu les prémices de ce travail et lui dire, Seigneur, viens avec nous dans ce projet. Aujourd'hui particulièrement, nous avons prié pour les instrumentistes. Nous avons pris la peine de les écouter, chacun a parlé pour que les frères les uns et les autres les connaissent, découvrent qui ils sont et que nous permettions à Dieu de déposer une impression spirituelle, un fardeau les concernant. Nous avons écouté et nous avons prié nom par nom pour chaque musicien, demandant à Dieu qu'il marche avec Dieu, d'abord rendant grâce à Dieu pour le don de sa personne, priant qu'il marche avec Dieu, suppliant Dieu qu'il fasse tout, qu'il excelle, qu'il crée, qu'il invente la musique pour la gloire de Dieu et suppliant Dieu qu'il demeure attaché au Seigneur pendant tout le temps jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Après ce travail fondamental mené dans la prière, ils ont eu l'occasion de célébrer le Seigneur à la reprise de leur répétition ordinaire au hall principal du siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Le grand retour, la 12e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales aura lieu ou pas? Telle était la grande équation à résoudre depuis le mois de mars. Jésus a fait pour nous des merveilles, ce 31 juillet, les rassemblements sont permis. Nous nous disons merci.
Cette nouvelle produit une grande joie au sein des semeurs qui sont déjà en plein préparatif à quelques jours du grand rendez-vous spirituel annuel tant attendu. 5 mois, sans les instruments de musique, sans leur podium habituel, Yannick va retrouver sa batterie. On ne peut que rendre grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Et là, vraiment, nous sommes vraiment quand nous allons vraiment. Il sait pas les mots du monde. Mais ça fait très bien que le Seigneur soit béni à mon amour. Abraham Gosset et Pascal Béori avec Maestria Manu le tambour pour le dépoussiérer. Daniel, cambré sur sa guitare avec ses doigts qui faufilent comme David avec sa harpe, et le pianiste produit un son harmonieux. Valencia avec ses esthétiques par des danses vibre sur les strates qui lui étaient privées environ 150 jours durant. Le chorégraphe zélé avec ses magnifiques mouvements conduit sa troupe avec une distanciation d'un mètre, comme pour dire le corona est réel. Laissant à tour de rôle leurs instruments de musique, les batteurs et les tombistes descendent sur la piste de danse. Un jeu de danse sous l'arbitrage de Yannick est inauguré par le trio Caro Babatunde, Elisabeth Doissaï et Nina Nguessan. Les deux tombistes Pascal et Gossé entrent en scène après de petits échauffements et encouragés par les fans. Ils trémoussent sur l'estrade. Acclamation fait exposer la peau du maître. Comme des véhicules qui sortent d'un garage, les semeurs se sont tous testés. Après 4 mois d'interruption qui était due à la crise sanitaire et le confinement, avec toutes les mesures de restriction qui nous étaient imposées, donc les réjouissances, les pas de danse et puis la consécration au Seigneur pour les programmes qui sont devant nous. Dès que nous reprenons la vie de l'Église, comme nous l'avions connu dans le temps, également est lancée, notamment avec la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et la reprise de nos enseignements en présentiel. Donc nous sommes venus dire au Seigneur, tu peux compter sur nous, nous serons là pour rendre ministère à l'Église et pour gagner les perdus à travers les champs. Ils sont tous au point pour nous conduire durant le renversement des principautés personnelles et familiales qui s'annonce très spécial pour cette édition.